Salut tout le monde, je vous fais juste une toute petite vidéo minuscule pour vous montrer tout ce bordel. Mais vraiment, j'ai mis toutes mes affaires là. Mes cartes, mes soins et tout. Donc mon lit, je viens de poser mes affaires, ma serviette, tout ça. Bon là, mes valises, je suis obligée de mettre mon manteau dessus. Donc voilà, donc là il y a le couloir, c'est le premier étage. Hein. Vous avez la salle de bain. Ici, oui, c'est trop mignon. Alors c'est assez rigolo parce que pour allumer. De mettre ici start, vous appuyez sur start et vous devez tirer sur la corde juste derrière. Et ça c'est. Non, ça continue de couler, il faut appuyer sur stop. Donc je vais me prendre l'eau dans la gueule. Vous avez ici donc il y a une alarme à chaque fois que je dois mettre. Vous avez Molly, mon bébé. Regardez-moi ce chien, c'est même pas un chien, c'est un ours quoi. Elle a pas le droit de sortir donc il faut que je ferme derrière moi. Non, non, Molly, please, Molly, don't move, yeah. Molly, oui, bébé, oui, baby, good girl, yeah. And le salon, je sais pas si on voit bien. Ça rend trop bien, trop beau, j'adore. Molly qui fait la fête, elle est trop contente. Et la cuisine avec la petite télé, le truc pour manger, ici aussi, le four, tout ça. Après, c'est tout petit, c'est tout mignon. J'adore cette maison, elle est très mignonne. Et le jardin dehors où Molly a le droit de sortir de temps en temps. Ah oui, c'est très. Je trouve que c'est très british. Alors après, vous allez dire, mais non, ils sont irlandais. Molly! C'est même pas un chien quoi, c'est un nounours. Et là vous avez d'autres chiottes, enfin d'autres toilettes, excusez-moi. Si vous avez un... Vous allez dire on s'en fiche, mais... Voilà, c'est surtout pour ma famille cette vidéo, qui voit où je vis, donc elle est très mignonne. On voit pas bien, hein. Je trouve que ça représente mal, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de charme, c'est comme l'Irlande, c'est tout petit, c'est tout mignon, et c'est surtout plus que beau, je dirais, plein de charme. Voilà. Vous voyez, le Molly est représentative de l'Irlande. Elle est petite et mignonne. Molly. Non, peut-être que je fais pas avec son accent irlandais. Molly. Yeah. You play. Yeah. Oui, comme Molly. Non, mais écoute, m'écoute pas. Bon, bah tant pis, voilà. Donc, c'était juste une toute petite vidéo, toute courte. Vous voyez, il y a Jackie. On voit bien. Après, je vais pas trop vous montrer, c'est quand même intime, mais bon. On voit pas bien. On sait que ça a bloqué là. Je sais pas ce que ça me fait. Ça me bloque le truc. Bon. C'est Jackie qui est trop belle. Et son fils, mon scoy, était petit. Tu viens, ma chérie? Tu viens? Non, tu veux pas. Bon, bah voilà. Donc voilà où j'habite et j'adore. Et c'est un petit peu loin puisqu'il y a une heure de transport, mais bon. Je me sens bien, j'ai l'impression de me ressourcer, puis les gens sont tellement gentils que j'ai pas envie de changer. Puis ça m'évite de sortir tout le temps. Bien sûr que j'ai prévu des sorties, mais bon, mon but c'est pas non plus que mon voyage en Irlande soit complètement la débauche. Le but c'est quand même d'apprendre l'anglais et puis de sortir, oui, mais je préfère mieux privilégier la qualité à la quantité, donc je sortirai peut-être une. Je suis à Saint-Stéphane-Colline, j'en profite pour vous faire une vidéo. Je vais juste vous montrer le paysage qui est pas mal. Le pas mal, ça fait très français. Et puis jamais satisfaite.
Donc je vais juste vous faire une vidéo très courte. Je me profite d'être loin de ma famille d'accueil parce que je ne peux pas faire des vidéos dans cette foutue baraque. Donc comme je vous l'ai expliqué, ça se passe pas très bien. Pourquoi? Je vous en ferai une pour vous expliquer les avantages et les désavantages. Je vais essayer d'interroger les gens en général, enfin les gens, mes camarades, pour savoir si ils ont choisi une famille d'accueil ou un appartement et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils vous conseilleraient. Donc ça c'est pour vous permettre de savoir, vous, votre choix. Moi j'ai pas eu de chance, il y en a qui ont eu énormément de chance, qui sont tombés sur une famille d'accueil extraordinaire. Mais voilà. Donc au début, je ne devais pas comprendre, parce qu'au début je disais oui, ma famille d'accueil est extraordinaire, elle est très gentille. Bon, ça n'a pas changé, elle est gentille. Mais c'est-à-dire que au début, j'étais très touchée parce qu'elle s'inquiétait tout le temps pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer après 10h, 11h du soir. Elle m'envoyait au moins 5-6 textos dans la soirée en me demandant de l'envoyer un email, un texto quand j'étais dans le bus. Quand il était que 10h, il fallait que je renvoie un SMS dans le bus pour qu'après elle vienne me chercher en voiture. Enfin, moi au début, ça me faisait plaisir parce que je me dis qu'il faut que quelqu'un s'inquiète pour moi. Ce qui était complètement nouveau puisque ma propre mère, puisqu'elle me fait confiance et que ça fait 4 ans que j'ai mon propre appart, ne s'inquiète pas. Du coup, j'étais contente qu'on s'inquiète pour moi, sauf que après, au bout d'un mois, ça devient très très pesant. Et ça fait. Donc pour un mois, je ne suis pas sortie, jamais, parce que je ne pouvais pas. C'était, chaque fois, elle se faisait culpabiliser. C'était pas facile. Et donc, du coup, au bout d'un mois, quand je voyais tous mes copains et mes copines sortaient, qu'après, ça faisait des rapprochements entre les gens et que moi, j'étais un petit peu éjectée de tout ça et que je ne pouvais pas vivre pleinement mon aventure, je l'ai mal pris. Je me suis dit, c'est bon, là, je sors. Il y a un moment donné où je sortais plus tard, elle me faisait des réflexions parce que pour elle minuit c'était trop tard et elle le prenait très mal, alors ça fait rien pour elle quoi, c'est juste parce que elle a cru que si j'étais sa fille et là du coup bah j'en avais plus rien à faire. J'ai suivi les conseils de ma mère et puis je sortais même si elle le voulait pas. J'ai décroché plusieurs fois prévenant etc, mais elle le prenait très mal et là la guerre a commencé. Donc déjà j'avais plusieurs griefs contre elle, enfin pas vraiment contre elle mais déjà contre l'organisme web par lequel je suis passée pour prendre l'école et pour prendre la famille d'accueil, parce qu'ils m'ont menti. Ils m'ont dit une demi-heure de trajet, c'est plus d'une heure. Tous les matins, tous les soirs, c'est très fatigant. Je suis loin de tout, faut que je marche, en plus il fait froid. Je suis à Tala, je ne suis pas à Dublin même. Tala, c'est très loin. C'est Dublin 24, pour ceux qui connaissent. Donc transport en commun qui sont pourris, en plus ça coûte 90€ par mois, 90€ par mois de bus, enfin, par mois, c'est tous les 30 jours précisément. Donc vous imaginez, et encore c'est parce que j'ai menti, que j'ai dit que j'étais étudiante alors que j'ai pas de carte étudiante, parce que sinon c'est 120-130€ tous les 30 jours. Donc je vous mens pas, attendez je vais vous montrer ma carte, je sais pas si je l'ai, je vais vous montrer. Donc le transport en commun qui coûte très cher alors que j'aurais pris quelqu'un dans le centre, j'aurais pas eu de soucis là. Donc voilà, ma carte de bus qui coûte très très cher. Donc ça fait plaisir. Donc déjà il y a le fait que ce soit loin. Ensuite le fait que ce soit froid. Je veux bien qu'on soit pas frileux. Mon père est très frileux, il vit dans 25 degrés, mais voilà, j'estime que 18-20 c'est un minimum dans une maison. Chez elle, il fait entre 12 et 15 degrés. Donc, et elle chauffe que quand elle est là, sinon elle chauffe pas du tout. Sachant que là, je vous donne les températures de la cuisine. Cuisine, pièce la plus chaude de la maison. La mienne étant très très mal isolée, c'est elle qui a construit elle-même sa maison, ce que je peux comprendre, puisque il y a du vent la nuit, etc. Donc je suis tout le temps malade, ça fait la troisième fois que je suis malade. Les médicaments coûtent trop cher ici. Je vous prends un exemple, juste une boîte de. Je sais pas moi de n'importe quoi juste pour la je sais plus comment ça s'appelle les médicaments que vous prenez je crois que c'est éductile mais l'éductile je sais plus, je crois que c'est ça, coûte 10€ la boîte. Le médecin ici n'est pas remboursé, il coûte 60€ de médecin, imaginez, juste le médecin généraliste n'est pas remboursé pour les gens ici, enfin de toute façon moi ça aurait pas été remboursé, mais 60€ pas remboursé. Faut compter au moins quand t'es malade 30€ de médicaments au minimum, sachant que les médecins en plus sont nuls ici. Donc là, autant dire que j'avais un petit peu. J'avais fait des prévisions de médicaments, mais forcément, au bout de 3 fois, bah, j'ai plus rien. Mes parents, je suis obligée d'attendre parce que j'ai plus d'antibiotiques, parce que j'ai encore de la fièvre, que mes parents me renvoient les antibiotiques. Donc je vais attendre les médicaments qui viennent de France. Parce qu'il fait. C'est pas chauffé, alors que là, j'ai au moins.
J'ai au moins trois pulls. Trois pulls, un pantalon énorme avec des bottes. Enfin, là, je suis bien habillée, quoi. Je suis bien habillée, donc ça vient absolument pas de moi. Et puis, je lui dis constamment, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Et même la dame ne veut pas chauffer. La douche est une douche économique, donc je ne pense pas me réchauffer avec la douche. Les draps sont gelés. On fait des réflexions aussi quand je mange. C'est-à-dire que moi, j'ai payé que pour le matin, parce que je sais que je ne mange pas le soir, donc ça ne sert à rien. J'ai payé que pour le matin, et déjà le matin, alors tout le monde sait que j'ai un petit appétit, vraiment un tout petit estomac. Et même pour moi, le matin, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que j'ai été obligée de racheter... Putain, il neige. Pardon. C'est-à-dire que j'ai été obligée de racheter des la bouffe, parce que ce n'était pas suffisant. Et le pire, c'est qu'elle me fait des reproches. Pourquoi je mange trop ? Forcément avec mes céréales, parce que je me suis acheté des céréales, je prends du lait. Et j'ai pas de chance, c'est toujours moi qui ai fini le lait. Et donc à chaque fois, c'est des réflexions. Une fois, Jordan, son fils, ne savait pas que j'étais là. Et il a gueulé dans toute la baraque, fucking bitch, parce que j'avais fini le lait. Du coup, j'étais racheté un lait. Et je lui dis, tiens, c'est de la part de la fucking bitch. Donc que des choses comme ça. L'autre fois, c'était son ami. Alors, je sais pas s'ils sont pas mariés, mais ils n'étaient pas ensemble. C'est le père de son fils. Et des fois il vient, et là il voulait du lait, il n'y en avait plus, il y a encore des réflexions, alors que je ne fais qu'un bol de lait par jour. Donc déjà, question bouffe, le matin c'est pas suffisant, sachant que moi je mange pas beaucoup. Le soir, bah forcément, bah comme je mange le midi bien à l'école, bah, des légumes, etc., bah le soir c'est du rapide où je ne mange pas, c'est des grignotages, parce que je ne peux pas cuisiner chez elle. Et elle me regarde manger, c'est-à-dire qu'elle me regarde comme ça pendant des heures, je ne peux pas manger tranquille. Et elle m'a fait des réflexions, des jugements. Je crois qu'elle est ma mère, quoi. Elle me dit, t'as déjà mangé des légumes dans ta vie? Enfin, alors forcément, quand je grignote genre des fruits ou des yaourts. Et forcément, je mange pas de légumes parce que j'en ai mangé le midi. Je mange hyper diète, j'en ai aussi. Et c'est que des réflexions tout le temps. Je sors trop tard. Quand je rentre, dis donc, t'es sorti avec qui? T'as fait quoi? Enfin, elle est tout le temps sur mon dos. T'as eu combien à ton test? Elle est tout le temps sur mon dos, je peux pas manger comme je veux, donc je suis obligée de me cacher. Son fils, il se cache quand il me voit, il veut pas me parler, il est insupportable. Il fait froid dans sa maison, je lui ai fait comprendre que j'avais froid, elle s'en fout. Donc toutes les possibilités sont bonnes pour partir. C'est-à-dire que quand j'ai des copines ou des copains qui me disent « si tu veux, tu dors chez moi », je dis « bah oui ». Franchement, je dis oui. Au moins, je sais que je vais passer une nuit parce que il fait tellement froid, c'est-à-dire que là, les degrés je vous donne, c'est le matin en me levant. Mais sachant que le chauffage a déjà tourné pendant plusieurs minutes. Et la nuit, j'imagine même pas le temps qu'il fait, quoi. Enfin, la température qu'il fait. J'ai jamais connu ça, c'est-à-dire que la nuit, je me réveille en sursaut tellement qu'il fait froid. Je mets complètement ma couette sur moi et je sens un vent froid. Donc je pense que ça doit être hyper mal isolé d'avoir un vent dehors, je ne sais quoi, vers ma fenêtre. Et je sens un vent et ça me fait. Et je me réveille en sursaut. Je me réveille moi 3-4 fois dans la nuit tellement qu'il fait froid. Et pourtant j'ai 3 pulls, j'ai des collants exprès pour la nuit, plus un pantalon de jogging et 2 chaussettes, et ce n'est pas suffisant. Donc j'en ai marre d'être tout le temps malade. Donc voilà, ça engage un peu mon voyage, et j'ai pour ces raisons là très envie de rentrer. Voilà. Donc moi, si c'était à refaire, je ne referais pas la famille d'accueil, c'est certain, mais je pense que ça peut être un bon avantage pour certaines personnes. Voilà. Donc je vais faire d'autres vidéos pour savoir les avis des autres et pour savoir si eux ils sont d'accord ou pas, pour savoir s'ils sont d'accord avec mon point de vue. Mais moi là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ma famille. Pourquoi je l'ai pas changé? Ah si, c'est important ça. Pourquoi je l'ai pas changé, ma famille d'accueil? Parce que j'avais possibilité avant. J'ai décidé de ne pas le faire parce qu'elle s'est confiée à moi dès le début. Elle m'a parlé de tous ses problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'elle, elle achète une bouteille de lait par une bouteille de lait. Son frigo est tout le temps vide, toujours vide. Elle n'a pas d'argent. Et puis, moi, de ses achats, elle me dit « Ah, j'ai acheté 50 euros de pull pour Jordan. Ah, j'ai acheté ci. Ah, ça a coûté ci. Ah, ça a coûté ça. » Et donc, elle n'a pas toujours de travail. Des fois, elle travaille genre une semaine, deux semaines. Des fois, elle n'a pas de travail. Et elle m'a expliqué que l'argent qu'elle reçoit pour recevoir des étudiants, eh bien ça lui permet de payer l'emprunt sur sa maison qu'elle s'est payée toute seule comme une grande. Donc ça, sur ça, je me suis dit, si je me plains après, elle ne pourra plus accueillir d'étudiants, elle est toute seule avec un enfant, comment on va faire? Et pour ces raisons-là, je me suis dit, non mais je reste, quoi. Ma peau, je ne vais pas la mettre dans un état, je prends sur moi, quoi. Je veux dire, je ne vais pas la mettre dans l'embarras, etc. Et c'est pour elle que je l'ai fait. Voilà.
Vraiment, je mens pas, je suis pas là à me faire plaindre ou quoi, c'est vraiment pour elle. Deuxième raison pourquoi je l'ai pas fait, parce qu'elle est sa meilleure amie, enfin une de ses meilleures amies, c'est Fiona. Et Fiona travaille à l'administration de l'école et c'est elle qui s'occupe de trouver des familles d'accueil. Pour ces raisons-là, je peux pas, si je dois me plaindre, je dois me plaindre à sa meilleure pote. Et c'est délicat aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de rester et là, je compte mes semaines. J'ai encore 10 jours à tirer et c'est dur. Très franchement, c'est dur et j'adore Dublin, mais j'aime pas ma famille d'accueil et je la supporte plus. Et je n'ai même pas le droit de rester dans ma chambre parce que quand je suis dans ma chambre, Dianise vient en bas, elle le prend mal, elle me fait des réflexions parce que je pense qu'elle cherche une dame de compagnie, mais je ne suis pas sa dame de compagnie. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos sur les points de vue des autres, je pense qu'ils seront meilleurs, mais voilà mon expérience, en tout cas au niveau de ma famille d'accueil. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Alors, c'est près de la rue de bus, sur le chemin, il y a un petit... Ce qui est vu, il est complètement dingue. Donc, c'est un petit square, avec coiffeur tout couillé. Une clinique, sûrement pour les chiens, je crois. Voilà, les boîtes aux lettres d'ici. C'est drôle, c'est comique, c'est vert. Et puis, d'ailleurs, au début, je savais pas. Putain, je suis en train de louper le bus. Allez, on va courir. Pour changer. La meuf qui est tout en bus. Allez, on va faire un sprint, c'est ce que je vais voir. Faire le marathon un jour. Allez, je vous reprends plus tard.